Popolibon, 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 Popolibon. Beaucoup de la palais, ma diaspora, beaucoup de la palais, ma combattant, beaucoup de la palais, ma congolais. Aux hommes mondes entiers, dans cinq continents, mon kiri, mon bimbabo, s'abonner dans Congo Dialogue. Info à sûr. Et vous pèsez à ma solo. Dialogue est sengi boyokani, dialogue est sengi bolingani. Dialogue est sengi tosangana. Nous sommes nés sur ma congolais, tous dans le monde entier. Tous abonnés dans Congo Dialogue Info. Et si vous avez un peu de monde, vous avez une idéologie. Francine Ngembe. Bonne matinée, les Africains. Et bon début de l'année 2023. J'espère que vous vous êtes tous déjà préparés pour affronter les épreuves de cette année. Les Africains, ce sont des bosseurs parce qu'ils font toujours face à des difficultés qui sont inventées par des Occidentaux qui ne veulent pas que les Africains se développent. Je viens d'apprendre dans le net que la France vient de créer une chaîne de télévision panafricaine. Je me demande qui a demandé à la France de créer cette chaîne. Les Africains n'ont pas introduit une demande de création d'une chaîne de télévision panafricaine. Et que peut-il nous dire à propos de TV5 Afrique et des autres chaînes françaises qui existent et qui ont existé bien avant celles qu'ils veulent lancer? Il y avait une autre chaîne qui s'appelait CFI, Canal France International, qu'on ne voit plus. Ils veulent lancer cette chaîne pour faire quoi? Pour nous arroser avec des mensonges comme d'habitude, n'est-ce pas? L'Afrique n'a pas besoin de cette chaîne de télévision, ni des nouvelles que la France et d'autres stations occidentales diffusent au quotidien. À quelque chose, malheur est bon. Heureusement, avec la guerre de l'Ukraine, l'Occident a dévoilé sa face d'un empire de mensonges. Ils se sont d'abord attaqués aux chaînes de télévision russes, entre autres Russia Today. Ils l'ont enlevé des satellites pour que les téléspectateurs ne puissent plus visionner cette chaîne. Cela prouve qu'ils ont peur de la pluralité de l'information et qui ont inscrit dans leur constitution le droit à l'expression libre de l'individu ont été les premiers à violer ces mêmes articles. Ils l'ont enlevé de toutes les chaînes de télévision du monde pour continuer à mentir et à dévier l'opinion internationale quant à la probable victoire de l'Ukraine. Heureusement qu'il y a plusieurs canaux d'information qui nous montrent et qui nous disent le contraire de ce qui se passe sur le terrain. Nous avons finalement compris, et nous le voyons, que l'Ukraine est démoli. Et si la Russie voulait raser toute l'Ukraine sur la carte du monde, elle le ferait. Pendant que des chaînes de télévision françaises continuent à raconter des bêtises, à nous montrer un tintin politique tel que l'actuel président ukrainien Vladimir Zelensky, qui est venu au pouvoir par hasard. Son pays est détruit est presque réduit au 18e ou au 17e siècle. Presque toutes les infrastructures
ont été détruites. Cependant, quand on suit la France, quand on suit CNN, BBC et les autres chaînes de télévision occidentales, un but d'orgueil continue toujours à diluer des mensonges au fil des jours. La victoire de l'armée ukrainienne, ceci et cela. Mais quand nous suivons d'autres chaînes privées, c'est le contraire. C'est la honte donc à l'Occident. Alors on se demande qu'est-ce qu'une nouvelle chaîne panafricaine viendra faire en Afrique. Les Français, gardez cette chaîne pour vous-même. Pendant plus d'une soixantaine d'années, vous avez trop fait du mal aux Africains. Vous avez tué nos dirigeants, vous avez pillé nos pays, vous continuez à les faire. Vous avez ourdi des guerres chez nous. En fait, vous ne nous aimez pas. Et nous, nous n'avons pas besoin de votre amour. Parce que vous êtes mauvais. Prouvez-nous ce que vous avez investi chez nous. Vous et les Américains. À part des centres culturels français, centres culturels américains. Il n'y a que ça. Pendant plus d'une trentaine d'années, Mobutu Sese Seko s'est mis au service des Occidentaux, plus particulièrement de l'Amérique. Le Congo, le Zaïre, mon pays, seraient les pays chouchous de l'Amérique, avec tout ce que Mobutu a rendu comme service aux Occidentaux, en s'érigeant comme une grande barrière contre le communisme et l'islamisme en Afrique centrale. Par contre, ils l'ont exploité, ils l'ont sucé, et après l'avoir chassé, ils ont instigé une guerre au Congo. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont laissé chez nous? Le centre culturel américain, le consulat américain, et vous, les Français, le centre culturel français, pour que nous puissions parler votre langue. Pendant une soixantaine d'années, qu'est-ce que la France a investi au Congo, à part votre langue? Dites-nous. Qu'est-ce que la France a investi partout en Afrique, à part les zizanies, les troubles, les conflits, l'espionnage? La haine partout, le terrorisme, n'en parlons même pas. Et vous êtes les premiers à vous alarmer. Oh non, il y a un sentiment anti-français en Afrique. Il y a ceci. Mais nous avons raison de vous haïr. Vous êtes mauvais. Vous êtes jaloux. Vous êtes des envieux. Vous êtes des inhumains. Les Français, les Américains et les autres Occidentaux. Ça se voit aujourd'hui avec tout ce que vous faites à la Russie. Mais vous voyez que vous êtes des perdants devant la Russie. Seulement la grosse et la grande gueule. Vous parlez beaucoup alors que vous ne valez rien devant la Russie. Vous tremblez, vous pissez dans vos caleçons parce que vous avez peur de Poutine. Alors vous voulez tout faire pour le chasser du pouvoir, vous ne réussirez pas. En deuxième position, je voudrais parler en lingala et un peu avec un peu du français pour mes compatriotes congolais. Ba congolais mbote na bino. Nakanisi bino nyoso bouti kolanda extrait ya interview. Il y a des konabino Mouluba before Biselele, qu'on appelle before. Un Mouluba traître qui se respecte comme tous les Balouba, qui s'est mis au service de Paul Kagame. Et au Congo, il est coiffé
des casquettes de conseiller spécial de votre faux et fainéant de président Félix Tshilombo. Bolandi interview naïe. Il a tout dit que c'est votre président que vous appelez son excellence Nde Akenda Yemoko ko senga Paul Kagame ke Paul Kagame yomo tozana ba relation à travers le monde yo exploiter kaka minere nyoso ya Congo et puis continuer ko sala bitumba pour que nga natikala kaka na pouvoir. Il vient de le dire. C'est le conseiller spécial en toute matière, je peux dire, pour ne pas exagérer, de votre excellence, combattant suprême, chef des armées, le premier citoyen, le premier sportif, Félix Tshilombo. Biselele alobi nyoso. Oro ya Congo, ba minere nyoso. Yo ozalaka commissionnaire, o rafinaka, o tekaka yango, pourvu que ngai nafanaka kana pouvoir. Donc, son obsession, c'est le pouvoir. Atika na pouvoir. Pendant que, on est en train de piller le pays, on est en train de tuer ses compatriotes. Alors, qui est le traître? Le traître, le premier traître, Ezali Félix Tshilombo. Celui que vous appelez le garant de la sécurité des citoyens du pays et de leur bien. Il est le premier traître. Bino watu botanga ka Bible, pe bo ndima ka Bible. Passage moko ya Bible, Yesu na bino alobi boye. Je suis la voie, je suis le chemin, je suis la lumière du monde. Celui qui veut voir le Père doit passer par moi. Donc Yesu, il est la voie ou le chemin obligé pour voir Dieu. Ça signifie que Azali envoyé de Dieu, liloba oyo ebimé na monoko na ye, nde ebimaka na monoko, ya papa na ye qui l'appelle Dieu. Bisele le, ko bandale le toki ko benga ye. Société, ba société belé, boyoka l'insate. Tout comme on a bafoué, n'a bafoué n'est mon go. Papa n'a maman, dialogue insate. Et comme un lobby, moi n'a bimi fassé, à Kimindaku, moi n'a commis la balabala, moi n'a roulé à la wense. Pour nous, dialogue insate n'a bafoué. Oboni, le lo mindele, ba sanganaki, ba sali héros. Bon, on connaît ma casse, pour la dialogue. Dialogue de sali, dollar, le lo de salamakas. Dialogue des salis, les deux livres sterling et Zalamakas. Il y a un moment où le dialogue est nécessaire, na vie na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Pour s'abonner, vous soignez sur la Congo dialogue, série YouTube.